apporter le soutien et le salut des amis de l'Association française d'amitié et de solidarité avec les peuples d'Afrique, qui en fait est pratiquement né avec le Front Polisario, c'était pratiquement la même année, et ses amis, les anciens qui étaient là bien avant moi, ont cheminé à côté du peuple le Sahraoui. Ce que je voudrais saluer à cette occasion, c'est le courage, ce mouvement, ce peuple, ce Front Polisario, ce peuple qui a su rester uni pendant 44 ans. Ça, c'est notre force. Uni, courageux et courageuse. Parce que les femmes également, les femmes sahraouis, à la hauteur de la situation. Aussi bien dans les camps de réfugiés, pendant les îles, dans des situations très difficiles sur la Manatine d'Ouf, mais également dans les territoires occupés, comme on a pu le voir. Et partout, ces femmes, ces hommes, eh bien, ils font face à la colonisation et ils restent vigilants. Donc, vous avez réussi en plus à une solidarité internationale qui n'a cessé d'augmenter d'année en année. Personne ne s'est essoufflé. Aujourd'hui, sur tous les continents, on parle du peuple sahraoui. Ça, c'est important. Et le Maroc ne pourra pas empêcher, avec toutes ces malheurs, qu'on continue à en parler. Si bien que depuis 2002, où on a pu commencer à aller en territoire occupé, le Maroc n'a pas supporté bien longtemps. Et notamment en 2014, quand les femmes sahraouis du Forum des femmes à La Youn ont voulu faire leur deuxième conférence. À partir de ce jour-là, le Maroc a dit stop, plus un étranger pour faire du skyscraper, on peut aller au Sahara occidental, mais pas pour aller rencontrer les sahraouis. C'est presque 160 étrangers de 14 nationalités qui ont été expulsés, manu militari pour certains, enlevés pour d'autres et ramenés.